Junior Effagué connaîtra une toute première sélection avec l'équipe A des Panthères du Gabon. Le jeune attaquant évoluant au FC Gomel en première division biélorusse marche actuellement sur l'eau. Martinson Gwali, lui, est de retour après plusieurs années de mise à l'écart de la tanière des Panthères. Ce sont les principaux enseignements à tirer de cette convocation solennelle de Thierry Mouyouma, le sélectionneur. Poste de gardien de but, Loïs Mbaba, Hans Ngoubi, Loïc Owono est là. Latéraux droit, Jérémy Oyono, Anthony Oyono. Latéral gauche, Jacques Ekomi. Défenseur centraux, Apinangoy Ondele, Yanis Mbemba, Alex Mouketou, Michel Mboula, Bruno Ekwele Manga. Les milieux de terrain, Mario Junior Lemina, Gelor Kanga, Roy Mounienge, Duchamp Ndiengi, Eric Bokoum, Junior Serge Ngwali. Avant-centre, Pierre-Emerick Aubameyang. Réunis autour du staff technique des Panthères du Gabon, les médias venus nombreux ont pu interroger la liste proposée par le coach. Il en ressort une cohérence dans les choix de l'ancien défenseur international gabonais et quelques incompréhensions disparates sur certains noms inscrits ou omis dans la dite liste, à l'instar de celui de Medwin Bitégué, qui se retrouve sur la liste des 10 réservistes adjointes aux 23 choix principaux, alors qu'il avait toujours été présent de toutes les listes de Patrice Neveu depuis son arrivée à la tête de cette sélection. Pour rappel, le Gabon s'apprête à croiser le fer successivement avec les Lions de l'Atlas du Maroc le 6 et les Fauves du Bazoubangui de Centrafrique le 10 septembre prochain pour les premières journées de qualification à la CAN 2025.